crois avoir perdu son amour à jamais. Et elle, moi je l'ai vu, c'est à toi qu'elle pensait. C'est toi qu'elle aime et qu'elle aimera toujours. Et dans la vie, rien ne vaut un grand jaloux. Chacun de vos côtés, vous êtes malheureux. Et dans la vie, rien ne vaut un grand amour. Elle s'aime, c'est toi qu'elle aimera toujours. Une donnée chiffrée, on estime qu'il y a 200 000 personnes chaque année qui sont victimes de violences sexuelles, c'est pas une paille, et dont une grande partie, presque la moitié, des enfants. On estime aussi que 5,5 millions de personnes actuellement vivantes ont été victimes de violences sexuelles quand elles étaient enfants. C'est pas une paille non plus. Et vous savez combien il y a de condamnations pour viol chaque année? 1800. Cherchez l'erreur. Oh, oui, c'est toi qu'elle aimera toujours. Oh, c'est toi qu'elle aimera toujours. Yeah! Oh, oui, c'est toi qu'elle aimera toujours. Je vais témoigner d'une chose. J'ai rédigé, en 1983, les circulaires sur les violences à enfants. J'étais membre du cabinet. Et on a convenu qu'on ne devait pas parler de l'inceste. Non pas parce que l'inceste n'existait pas, mais parce que nous n'étions pas capables politiquement de proposer une manière de traiter l'inceste. C'était en 1983. Il a fallu 40 ans pour déboucher. Oh, oh, mais c'est toi qu'elle aimera toujours. Oh, mais c'est toi qu'elle aime. Qu'elle aimera toujours. Yeah! Oh, c'est toi qu'elle aimera toujours. Ben, il peut y avoir une contrainte morale. Contrainte non prise. Est-ce que vous estimez, vous, que ça va de soi qu'une gamine de 11 ans ait envie de faire l'amour avec quelqu'un qui a 24 ans? C'est toi qu'elle aimera toujours. Oh, c'est toi qu'elle aimera toujours. Yeah! Oh, c'est toi qu'elle aimera.